Nous avons un forage au fond là-bas, dans la forêt, là. Enfin, au début, qui alimente notre château d'eau. D'accord. Celui qui nous distribue l'eau. Comme je l'ai dit depuis le départ là-bas, il y a le panneau sur. Et il y a combien de lampadaires ici? Bon. Un. Gazelle, lion, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nous avons 7. Ici, c'est très important, ce bâtiment-là. Parce que? Parce que on n'entre pas dans les autres prisons. Ah bon? C'est une différence. À quoi il sert alors? Nous avons le répertoire. Ici, c'est le répertoire et la cuisine. Okay. Vous voyez? Nous apprenons, ils n'ont pas le droit à manger en chambre, en cellule. Voilà le répertoire. Un banc, une table. C'est ici que la cuisine est faite derrière. Voilà la cuisine, on va passer bien la voir. Ouais. La cuisine est faite là. Ils sont, les plats sont servis sur ce plancher là. D'accord. Les plats sont servis sur ce plancher et chacun passe et prend son plat. C'est une salle où il veut. Et puis, le soir, vous aurez l'occasion, la nuit, là, de filmer. Voilà, ouais. D'assister à leur repas. Une culture aussi moderne comme ça. Et voilà notre cuisine. Ok. Bon. Le serveur qu'on a, que vous connaissez déjà, oui. C'est le responsable de la cuisine. Ndoukwa, comment ça va ici? Comment ça va? Ça va? Vous vous mettez à l'aise? C'est pas trop sucré. Vous avez quoi? Du riz avec racines. Oui. Avec un peu de feu. D'accord. Un peu de patate quoi. Avec du magie aussi. Avec poisson frais, un poisson sec. Demain c'est quoi? Demain c'est kabato. D'accord. Avec quelle sauce? Avec sauce, racine, okay. Avec minage de brûlée. D'accord. Quelles sont les nourritures que vous proposez en dehors du riz et puis kabato? Il y a quoi? Nyam. Nyam. Haricots aussi. Okay. Combien de repas? Oui, par jour. Si c'est riz, 3 fois. Oui. Okay. Matin. Oui. Matin, midi, soir. C'est la bouillie. Oui. Midi, abato, le soir. C'est quand on va manger midi là. C'est quelle farine? C'est farine de maïs. Ça, c'est la viande de riz. Et les bacs à eau. D'accord. On fait la viande de riz ici. Le matin, vous venez de laver vos habits. Toujours. Nous sommes, vous avez dit? Bon, ça c'est le centre de détention. Okay. C'est ici. La détention se passe. D'accord. Il est fatigué. Pour travailler là, il est fatigué. Paresseux. Hier et aujourd'hui, il a changé. C'est quel nom, s'il vous plaît? Bouka Aristide. Bouka Aristide. D'accord. Bon. Et vous? Il est prêt à répondre. Il a... Moi, c'est Amoukakou Emmanuel. Il y avait la Bobine. Et vous? Moi, c'est Saragbaye Rodrigue. Abobine. Et vous? Moi, c'est Doumia Mamadouf. Abobine. Okay. Abobine aussi. C'est une cellule de détention. D'accord. Voilà, c'est comme ça. Mais où est ce matelas là? Bon, ce matelas, on a mis ça ici parce qu'il n'y avait pas de quelqu'un qui donne un reçu. Mais non, mais il fallait le mettre parce que là, quand on mettait comme ça, c'est pas bien. Chacun de nos pensionnaires a un drap, une couverture que vous voyez là. Ce genre de couverture là, chacun est doté d'une couverture de cette qualité, okay. Comme vous pouvez constater sur certains lits qui sont dressés. D'accord. Voilà. Donc les paresseux, c'est eux qui n'ont pas dressé leur lit. Donc, ici, ça c'est mon lit. Voilà. On a un problème, il y a les moustiques ici. Je suis dressé ici, ça c'est mon lit. Je parle de... Je parle de...
On va travailler là-dessus. On a deux bâtiments comme ça. Hein. Okay. Il y a un, deuxième là-bas. C'est le même plan. Là, c'est le bidé. Ah, vraiment. Je dis l'autre, il m'a une manne. Quelqu'un au fait. Quelqu'un au fait, ben, de nos contrôleurs. Le lieutenant Thierry, sur le contrôleur Thierry, qui est ici avec nous, il a ouvert son contrôleur maintenant, il a leur distraction. L'antenne qui est au-dessus, ça c'est mon antenne, c'est moi qui ai offert l'antenne. Ça dit que c'est un complément de gens, enfin d'offre, de mon collègue, de mon chef, le lieutenant Thierry, de moi, pour mettre d'avoir une salle de distraction, enfin une salle de. Et c'est comme ça tous les jours que vous regardez la télévision? Oui, pratiquement les jours creuses, les heures creuses, du coup on n'a pas grand chose à faire avec beaucoup des chefs. En tout cas, ils nous ont donné des exceptions parmi les présidents que nous connaissons. Donc je crois que ce sont des trucs à nouer. Et c'est ça aussi l'émergence, chose ivoirienne dont le président de la République parle. Voilà. Vous voyez un peu, nous sommes très très à l'aise. Vous avez étalé. Ah, tiens, Robert, calme-toi. Emmanuel. Voilà. Mon petit, calme-toi. On a gagné. On a gagné. C'est le premier chauffeur de Célère Pro. Okay. Je serai mon petit. Je serai pour le premier. À quelqu'un jour, même si je n'ai pas là, je peux te défendre avec ça. D'accord. Donc, je vais mettre pour le tard et demi. Je serai pour la brue ici. Parce que je dis, on a planté les manioc, miam, piment, gombo, le bésine, chou, salade, orange. Tous les petits trucs quoi. Puis on peut manger les vitamines. Donc on essaie de mettre dedans. Nous avons les cultures maraîchères, les cultures vivrières et les cultures pérennes. Mais pour l'instant, nous avons 9 hectares qui sont déblayés et qui sont plantés. Outre 2 autres hectares qui restent pour le maraîcher dont les pépinières sont là présentement. Donc les cultures pérennes, nous sommes en train de nettoyer 2 hectares encore pour pouvoir faire le moringa. Et puis, associer aussi les orangers. Moi, c'est Kone Adama Pokalifo. Bon, je suis à Salia Koro. Oui. Bon, depuis Koro, on nous a dit, depuis ici à Salia Koro, pour venir apprendre des métiers. Bon, arriver ici. Bon, le Seigneur nous a demandé qui fait la couture. Bon, je me suis présenté. Bon, il a envoyé les machines. Bon, les machines étaient venues un jour en pièces. Bon, j'ai monté un peu les machines. Puis, après, j'ai commencé à faire. Qu'est-ce que tu en as fait? C'est comme il fallait les déchets. Pour rendre les docteurs à la fin. C'est ce que je fais tous les matins? Oui. Tous les matins, quand j'arrive, je nettoie les déchets, puis je fais le visage, je change les eaux, je fais le visage. La Côte d'Ivoire continue dans ce sens-là pour donner un sens quand même à ceux qui, par moment, arrivent à fauter. Oui, parce qu'il faut donner, il faut redonner l'espoir. Alors, vivre dans un tel milieu, ça te donne quand même, ça te fait remettre l'espoir de ressortir puis reprendre ta vie. Si on devrait donner, vous devriez donner un nom, baptiser la fin de Psalia pour vous. Quel nom vous lui donneriez? Je peux appeler ça la prison de l'espoir. De l'espoir, ok. D'accord. Plutôt, je peux appeler ça la prison de l'espoir parce que ici, tu apprends. Parce que moi, franchement, depuis que je suis arrivé ici, je me sens extrêmement libéré. Hein? Parce que je commence comme moralement, je me sens libéré. Donc, vraiment, tout le remerciement à nos encadreurs. Je pense que
en quittant d'ici. On ne devrait pas nous former ici pour nous jeter encore dans la rue. Nous former ici et nous jeter encore dans la rue. Quelles sont vos difficultés? Bon, les difficultés sont que à Saliakro, on a des problèmes de nourriture parce qu'il n'y a pas un marché tout près de nous. Il faut chaque fois aller en ville. Quand on a besoin de quoi que ce soit, il faut chaque fois aller en ville. Ce qui fait que même le matin, si vous voulez quand même prendre un petit déjeuner, c'est un peu compliqué, il faut qu'on envoie quelqu'un en ville. Et les moyens de déplacement, vraiment, sont un gros problème que nous avons. Nous disons déjà merci à PRSF qui a fait venir 3 motos, en plus des véhicules qui étaient là. Mais il faut dire que c'est insuffisant parce que il y a l'administration qui est là, il y a le service de garde, et puis il y a la production et autres. Et il suffit que quelqu'un prenne soit une moto qui parte faire une course, et puis bon, vous autres, vous êtes bloqués ici. Nous souhaiterions que PRSF fasse encore en plus, ou à, je ne sais pas si c'est l'État de Côte d'Ivoire, si on pouvait attribuer un engin à chaque service, ça pourrait nous faciliter un peu le déplacement. Pour ceux qui nous ont nommés à ce poste, j'espère qu'ils nous ont fait confiance. On fera l'effort de mériter cette confiance. Nous pouvons leur faire plaisir. Leur disant par la même occasion merci. Merci d'avoir pensé à nous. Merci de nous avoir fait confiance. Parce que nous pensons qu'avec la grâce de Dieu, il ne se serait pas trompé. 6 mois après votre nomination, qu'est-ce que vous pouvez présenter comme bilan? Sinon, comment vous pouvez juger le fonctionnement des Saliakro? Bon, j'avoue que ça n'a pas été facile dès les premiers jours. D'abord parce que nous sommes arrivés là-bas dans des conditions difficiles. Tout simplement parce que le coin est retiré de la ville. Les installations n'étaient pas tout à fait prêtes lorsqu'on arrivait. Et donc, il faut dire que nous étions confrontés à d'énormes problèmes. D'abord, pouvoir nous installer. Ensuite, il fallait faire en sorte que l'établissement fonctionne en faisant venir les détenus. Ça n'a pas été facile. Les attentes sont nombreuses. C'est un projet qui a été réalisé par une ONG avec des financements de la communauté internationale. C'est vrai, ils ont fait beaucoup, mais je pense que pour la mission et les attentes même de l'État, il va falloir améliorer ce qu'ils ont déjà fait en donnant beaucoup plus de moyens. Aujourd'hui, nous avons une machine, un tracteur, et la communauté internationale. Mais je pense que pour réaliser des travaux sur une superficie de 450 hectares, la seule machine ne peut pas suffire. Donc je pense que pour moi, il faut d'autres machines pour venir grandir un peu le parc auto, et puis ensuite donner les ressources humaines également pour pouvoir le faire. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il faut dire que les choses ne tournent pas comme prévu. Il était question dès notre installation qu'on nous envoie tout ce qu'il fallait comme main-d'œuvre, les détenus et autres et tout ça. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes obligés d'aller chercher la main-d'œuvre. Je pense que ce n'est pas bien parti. Il va falloir revoir cette question.